un moment que je t'ai pas emmené avec moi en vélo. Donc ce matin, j'ai décidé de t'emmener en Vendée. C'est une rando que je connais pas, qui j'espère va être sympa, avec traversée du Gois, que Noirmoutier. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pris mon strato quand même. Je sais pas trop, à mon avis ça va être assez roulant. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. On verra bien ce que ça donne. Tac. Oh, mais c'est pas la tronche. Donc ouais, bah on verra ce que ça donne. Voilà, attends, parce que je connais pas la route non plus, hein, faut pas que je fasse des conneries. Ça a bien changé, ça fait longtemps que je suis pas venu par là. Il fait beau, il fait frais quand même. Ça remonte tout doucement, il faisait 9 degrés quoi, au mois de juin. Ça faisait longtemps qu'il faisait pas aussi froid au mois de juin. Tac. Donc c'est parti, allez, je t'emmène. Allez. Que tu vois bien. Putain, il fait quand même froid. Pour un mois de juin. Tu vois bien là ? Allez. On va dire que c'est bon. Alors. Départ VTT. C'est là. Normalement c'est ça. Bon bah écoute. Tu vas être dans les premiers là, à partir. Donc on va se délecter de ce moment. Alors normalement, excuse-moi, normalement je suis parti pour le 50. Et une fois le Gois traversé, j'ai vu là, on fait une partie de l'île. Donc à ce moment-là, j'ai plus le choix. Bon. Moi qui pensais que ça allait être sec. Encore le bouillasse. Ah, ça va, c'est de la bouillasse sec, elle est dure. Voilà. Allez, on va aller. Oh.
Wow. Putain. Ça fait perdre l'avant encore. Je sais pas si ça s'est vu. Ah, la portion de malade. C'est bon, j'ai plus froid. J'ai chaud. Regarde comme c'est. Regarde comme c'est beau. Avec les, le soleil et la condensation. Je sais pas si tu le vois à la caméra. C'est beau. Tu verras mieux comme ça, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, c'est mieux, tu vois mieux. Allez, on continue. Continue. Toujours tout seul. Les premiers gravel commencent à me rattraper là. Parce qu'en fait il y a des boucles VTT et en gros si tu fais pas la boucle VTT tu peux tracer, puis ils appellent ça les circuits gravel. Donc forcément ils roulent un peu plus fort et plus vite. Mais bon, ils auront mis un peu de temps quand même. Ah, il y a du vent. C'est vraiment chouette. C'est beau. Hop. Allez. On y approche. Je sais pas si tu vois à ta droite. C'est des digues. J'espère que j'ai bien mis la caméra pour bien que tu vois. Regarde comme c'est beau.
pas le dernier. Oui. En fait, on est sur des digues de protection des marais. C'est les deux côtés, on a. Par ces gens-là, on est en dessous du niveau de la mer. Par marée haute, ça va être sympa parce que. Je sais pas si tu vois, mais. L'eau, elle doit être. Bah, la mer, elle doit être faire. Je sais pas si tu vois, ça me saoule. Filmer pour rien, pour me faire plaisir, ça me fatigue. Parce que c'est vraiment joli, franchement. Il est parti à huître, à moule. Mmh. Et puis, voilà quoi. Oh, j'aurais pu le faire avec une petite rigide au final, mais bon. Avec l'enduro là, c'est pas, pas l'idéal, mais c'est pas grave. Il y a des petits sentiers là, comme je disais, il y a des boucles VTT. C'était bien amusant quand même. Hop. Ça fait chaud. Alors, vous voyez le pont là-bas, ouais, je sais pas si tu le vois. Oui. Le pont de Noirmoutier, bien sûr. Et après en voilà. Les premiers bugs. A priori on revient par le pont. Si je ne me suis pas trompé. Le fléchage est un peu light. Regarde, on voit là. Tu vas le voir, je pense à la caméra. Quoi, on doit pas être bien loin. J'espère. Et du coup, on est redescendu en bas des marais. Enfin, oui, en bas des marais, derrière la digue. Pas si grande que ça. Hein. Au final. C'est bon. On y arrive à l'assaut du Groix, Noirmoutier. Vent par contre. Et là, elle commence à remonter l'eau.
qu'on s'arrête. Et voilà le beau bois. On n'a pas besoin de s'arrêter. Alors, on va acheter un œil quand même. Bon, allez-vous, on continue. Ah, ça fait le temps que je vais le faire en vélo, tu peux comprendre la satisfaction du bonhomme. Et pourtant, j'habite pas extrêmement loin. Sur des méduses. Tu crois que ça va gêner PV2? Tu crois que ça va donner des coups? Ah, il y a intérêt que tu vois bien. Parce que c'est beau. Pas tous les jours que je vais pouvoir le grasser en vélo. SVO, il craint pas le sel, je pourrais aller baigner dans l'eau. Cassé au patrimoine, je crois bien. Ah ouais. Je crois qu'une année, ils voulaient le fermer. Ça avait fait scandale. Ce que je comprends d'ailleurs. C'est 3 km je crois, de mémoire.
Allez, un demi-tour. Pareil derrière les digues, c'est la réserve naturelle
côté Noirmoutier. Ceux qui aiment observer les petits oiseaux, bah c'est ici qu'il faut venir. Il y a plein d'espèces différentes. Monter sur les nids, à ma gauche je le vois, à ma droite je suis Noirmoutier en fait, on longe la route. Les marais. Et il y a de la plume, de la musique. Et c'est beau. C'est super beau. Donc c'est bon. Je pense qu'il est malentendant le monsieur. Il devait le mettre fort. Normalement, voilà, on va se faire le pont de Noirmoutier maintenant pour avoir fait la boucle. Et pour ceux qui le connaissent, il y a un peu de dénivelé quand même. Je ne sais pas ce qui va être plus agréable avec les voitures, mais. À cause des marées, t'es obligé. À un moment donné, il faut bien sortir de l'île. Hein. Et après, ils vont nous faire remonter par où? Par la forêt, peut-être? Ouais. Mais il y a des travaux en fait. On a dû prendre la route. On est en haut. Ah, il doit bien faire 8% ce coin. Et ça fait un moment qu'il est en travaux. Ah, je suis sûr, même 10%. À la vue. Elle va aller mieux là, ça va descendre.
beaux travaux des éoliennes. Aïe aïe. Alors pas mal en enduro. Des flèches. Il faut avoir les yeux ouverts. Ah, il me saoule ce frein aussi. Hop là. Donc là, on est de nouveau sur les terres. Chier, j'avais loupé. Ça, j'arrive trop vite. Hey. Un peu de forêt maintenant. Avec les belles côtes qui vont avec. Ah, il vient de me manger une côte. Hop là. Elle était mignonne. De merde, sérieux. Avec le sable, j'aurais dû débloquer mes amorteaux. Hop, à gauche. Est-ce que le sable est bien sec. Vu que j'étais pas forcément concentré, la trajectoire, chier. Il y a mignon là aussi, je sais pas sur quoi on passe. Un vieux barrage, je sais pas. Et you. Mignon ce petit parc. Plein de masse encore, mais tant pis. La ravito, c'est bon ça. C'est mignon. Thank you.
ici. Ouais. Belle. Bon, il reste une quinzaine de bornes, donc ça va. Tranquillou. En plus, on a le vent pleine face, j'aime pas ça. Bon, on va aller tranquillou. Pile poil dans les temps, impeccable. Oh là 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 là, le vent. Tu profites du paysage quand même. Passer sur les digues et les marées en fait. Ah, celle-là, ils ont tondu. Et le problème, on sait pas sur quoi on roule après. C'est le piège. Ah, trop d'eau. Thank you.
Mais voilà. Arrivé. On pourra aller manger, laver le vélo. Impeccable. Et manger. Ah oui, tu veux passer un coup de pied ? Non, ouais, il est bon. Vous allez entendre, attends que nous. Où c'est que je suis garé ? Il n'y a plus de batterie. Allez, ça y est, me place au retour. Donc, j'ai mangé, je me suis changé. Donc, rando bien sympa. Que je conseille, c'était du coin au coin d'ailleurs. Hein, en Vendée, là, c'est original. Donc, je la referai. Carrément. Donc, le retour a été plutôt roulant. On a passé quelques champs là, qui venaient d'être tendus. Donc, un peu quand même physique quoi, avec le vent pleine face, mais non, bien sympa. Donc voilà, abonne-toi, partage, ça fait plaisir. Et puis n'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu en as. Allez, salut.